Oh les gars, ça c'est beau ça. Oh putain. La détection de métaux est soumise à des règles, veillez à bien les respecter. Bonne vidéo à tous. Les forêts, les prairies, les rivières, tant de lieux qui, à un moment ou un autre, ont croisé le chemin de l'homme. Rêveurs, curieux, aventuriers, nous avons tous en nous cette âme d'enfant en quête de découverte. Équipé de mon matériel pour filmer et de mon détecteur de métaux, je vous emmène avec moi dans mon aventure de chasseur de trésors. Hey, toujours dans une forêt de sapins. Voilà. De la sève, et de la sève, t'en veux, en voilà. Toutes les monnaies qu'on trouve là-dedans, eh ben, elles sont complètement bouffées. Voilà. C'est sympa. C'est cool, hein. Donc là, j'espère que je vais peut-être trouver quelque chose de potable. On verra. Voilà, bon, allez. Bisous. Bon, alors, voilà, le premier son. Honnêtement, la terre, elle est belle ici. Hein. C'est con, elle est belle, mais les trouvailles là-dedans, elles sont moches, quoi. C'est que ça, et ben c'est un petit morceau d'aluminium. Voilà. Sur une belle petite montagne, quand même, c'est sympa. Bon, on va aller par là-haut. Il y a déjà un petit chemin de fait qui est pas trop mal. On va aller voir ce qui se cache en bas. Oh, oui, c'est chouette. Un son très bas. Cartouche de balle. Bon, bah on va passer par au-dessus de ça. Une vieille borne. On va passer par là, j'ai un son juste ici. Oh putain. On a vu, c'est une cartouche de balle. Hein. Elle est en surface à point là, non? Non, même pas. Voilà. Tiding, bouteille vide. Soyez aimable de remettre la capsule sur la bouteille vide. Lol. Ouais, ça a vachement été fait du coup. Bisous. D'accord, ce serait là. Oh non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est un caillou. Oh bah non, c'est ça. C'est de la merde. Voilà. Oh, des beaux petits cailloux. On va faire tout partout autour des petits cailloux. Parce que c'est la gueule. Ah, il y a un son ici. Sérieux? Ah non, j'ai jamais eu de son, les machins là. Oh putain, de l'orage. Alors du coup, cette vidéo va se transformer en tuto
Peut-on détecter sous l'orage? Oh, celui-là, il est énorme. Une belle forêt de sapins, mais je pensais pas qu'il y avait des sapins qui étaient plus gros que les autres comme ça. Eh ben, il est beau. Oh, putain, c'est pas vrai, j'ai perdu mon piochon. Putain, je suis tombé sur un son et plus de piochon. Donc, me revoilà à l'arbre. On va refaire le trajet inverse. Ah, je l'avais au bord de l'eau. Donc, il doit être par là. Ah, il est encore au bord de l'eau. Bon, c'est vrai que le manche est bien clair, on le voit bien. Olé. Allez, on va aller faire le son qu'il y a là-haut du coup. Honnêtement, ça sonne pas terrible. Voilà. Voilà, voilà. De la merde. De la merde, de l'aluminium et du plastique. Voilà, le doublé. Aïe. Ah, c'est ça en fait, c'est la foudre. Un son ici. Allez, on a trouvé notre son. Non, c'est une balle. Ouais, une balle en plomb, hein. Ah, bah une petite cartouche. Viens là, Titou, là. Là. Voilà, là. Oh, quel temps de chien. Bon, là, pour le coup, une monnaie. Mais honnêtement, ça sonnait pas bien du tout, quoi. C'est un demi-franc. Je sais pas si j'arriverai à avoir la date dessus. Je crois que c'est du copro nickel celle-là, c'est pour ça que ça sonne pas ouf. 1965. Sympa. Bon, j'ai un son encore juste à côté. Pareil, ça sonne bien dégueulasse. Bon, du coup, on va regarder. Est-ce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit encore une demi-franc? Regardez, c'est encore une demi-franc. Et ouais, et celle-là, elle est de 1965 aussi. Et ben voilà. On va retourner un peu par là, hein. Écoutez. À mon avis, on en a une troisième ici. C'est tout brûlé, quoi, que par là. Alors? C'est là. C'est ça. Je me suis dit. C'est tout léger. Un morceau d'alu. C'est bizarre. Voilà, c'était ça. Bon. Je sais pas ce qu'on a là, les amis.
Ouais. J'ai le même son ici. Peut-être encore un morceau de l'objet. Bon, alors là, les gars, aucune idée. Aucune idée. C'est juste là. Je crois que c'est un petit bouton, nous avons. Ouf, même pas. Je crois que c'est même pas un bouton, je crois que c'est un viseur. Alors là, on est rondelle. Aucune idée. Pour le coup, je crois bien que c'est ça. J'ouvre comme ça et bon, j'avais cru voir un truc en fait rond. Non, j'ai halluciné. Bah, écoutez, j'aurais je crois que c'est ça, hein. C'est un plomb de sec. Ouais. On dirait bien un plomb de sec. Ding, la classe. Moi, je pareil, je suis dans une partie du bois qui est pas du tout trop accessible. Là-haut, c'est que des broussailles de merde tout le long. Là, n'en parlons pas. Et voilà, il y a des endroits, c'est un peu dégagé comme ça. Du coup, bah, j'insiste un peu plus sur les endroits-là, quoi. C'est un peu plus à l'aise. Et ça va faire comme ça à chaque coup de pelle. Bon, je suis pas sûr pour le coup. On dirait une boucle, mais je suis pas sûr. Oh, c'est quoi ça? Oh les gars, ça c'est beau ça. Oh putain. Et puis c'est bien brillant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain les gars, c'est ouf ça. Oh ça c'est beau. Oh purée. Ça c'est chouette. Oh purée, ça c'est beau quoi. Oh nom de Dieu. C'est une broche. Ce qui reste d'une broche. Ouais, il faut faire attention en train de se casser. Je suis pas sûr que ce soit de l'or, j'en sais rien. Ce serait ouf. Ce serait franchement ouf. Oh putain, ça c'est beau les gars. Je crois que c'est une petite broche. On voit encore l'épingle ici hein, qui était là. Oh putain, ça c'est beau quoi. Oh, je suis désolé pour les gros mots. Mais ça c'est chouette. Hein. Du coup, ça faut bien protéger ça. Oh putain, puis j'ai pas mes pochettes sur moi. Bon bah allez, hop. Je vais mettre ça
La petite boîte moche. Eh, il y a pas mal de trucs dans les coins là, ici. Mais on voit que ça fait quand même un vieux chemin de charrette ou de forestier, quoi. Allez, boum. Bon, bah, on va tourner dans les coins. Hein. Ah, je me suis dit, si j'ai fait un plan de sac, c'est pas anodin. Au top. Allez, on va continuer, les gars. C'est ça, et c'est du plomb. Aucune idée. Et j'avais deux sons. Donc je dois avoir encore un morceau quelque part, à mon avis. Ah non, bah non, c'est juste ça, quoi. C'est ça qui sonnait en tut-tut, deux fois. Aucune idée de ce que c'est. Intéressant. Plutôt intéressant. Il y a plein de trouvailles. Ça, c'est une vidéo, il y aura quand même pas mal de trouvailles. D'objets bizarres. La fameuse et la toute belle cartouche, la balle de Brennec plutôt, l'handball, c'est une balle de Brennec. Désolé, je m'y connais rien en balle de fusil de chasse et personnellement, je m'en bats les couilles. Hey, c'est déjà la fin de la vidéo, merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'ici, et merci à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Il y aura bientôt des autocollants à gagner, vous inquiétez pas, chaque vidéo, il y a un gagnant. Donc, je sélectionnerai bientôt les gagnants des autres vidéos qui n'ont pas encore été sélectionnés. Voilà. Et pour ceux qui sont toujours là, en commentaire, vous pouvez taper jackpot. Ouais, jackpot, pourquoi pas, c'est jackpot les gars, franchement ça c'est des belles trouvailles. Allez, prenez soin de vous. Bisous. What do you think about the way that she rolls with the bass? See it written on her face, you know she loves it when the sweat beats.